écoute, salut à tous, c'est LecoGat22 et on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode sur Bravely Default. Allez, c'est parti, continuons la partie. Alors, c'est arrêté au village, ouais, voilà, c'est ça. La musique du danger. Et, oui, on devait aller voir le roi parce qu'apparemment, il se passe quelque chose. Ah aussi, je vais vous montrer vite fait une petite astuce que j'ai trouvée. Après, je sais pas si c'est une astuce. Pour que Agnès puisse utiliser des magies noires et des magies blanches. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai équipé. C'est où? Non, c'est pas ici. C'est compétences. Oui, voilà. Compétences. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé en technique en magie blanc. Donc, elle peut utiliser toujours les magies blanches, pardon, comme vous pouvez le constater. Soins et sérums, pour l'instant. Et elle peut utiliser toujours les techs. Qu'on appelle les techniques fixes. Donc en technique fixe, je lui ai mis qu'elle est donc un magicien noir. Et elle peut utiliser notamment la première magie que j'ai achetée, le feu. Bien sûr, j'utiliserai, enfin j'achèterai d'autres magies dès que j'aurai les moyens. Parce que là, j'ai plus du tout d'argent. Voilà. Comme ça, je peux utiliser des magies noires et des magies blanches. C'est comme en gros si elle était mage rouge. Dans Final Fantasy V, c'était ça. Mage rouge pouvait utiliser les magies noires et blanches. Voilà. Bref, place à l'action, c'est parti. Je crois qu'il en a plus pour longtemps, lui. Ouais. C'est confirmé. J'ai failli lire Heineken. Sans déconner, j'ai failli lire Heineken. Oh punaise. J'ai pas le choix de toute façon. Ouais. Eh oui, c'était sûr. Ah, c'est plus sûr. Owen. Je n'arrive pas à croire comment Heineken peut-il être aussi cruel. J'ai encore failli dire à Heineken. Qu'est-ce qu'on va dire à l'aubergiste? Mais qu'est-ce qu'on peut lui dire? Owen t'a sauvé après la destruction de Norende. Il t'a recueilli. Et depuis, son père a fait preuve d'une telle gentillesse envers nous deux. C'est pareil pour moi. Owen m'a fait confiance en dépit des circonstances. Il m'a aidé à m'en sortir. En ce qui concerne ce que nous allons dire à son père, ce n'est pas facile. Il mérite de savoir que son fils est mort en héros et qu'il s'est battu avec courage. Je sais bien, je sais, mais ce n'est pas vraiment une consolation. Une consolation? Je crois que... Edea, essaye de comprendre. Tis et Ringabel ne pensent qu'au sentiment de l'aubergiste. Mais moi aussi! Ce n'est pas une consolation suffisante de savoir que son fils est mort en défendant son roi! Ça suffit comme ça. Laissez tomber. Je vais lui parler. Allons-y. Tis.
C'est vraiment dramatique, hein, c'est... C'est du Square Enix, quoi. Mais oui. Il est gentil quand même, hein. Je crois que c'est son fils est mort et il nous offre quand même l'hospitalité. Hein. Punaise. Ouais, non mais je te comprends, vas-y. Hein. Laisse le tease, c'est pas le moment, je pense qu'il y a besoin de rester seul. Tout à fait. C'est ma foi vraie. J'espère qu'elle va pas quand même partir du groupe. Non. Je savais qu'elle allait dire un truc genre dégage. Ce vent. Merde, Edea est désormais la seule membre du groupe. Ouah. Allons-y. Elle va aller au cimetière, visiblement. C'est parti. Aussi, n'oubliez pas de me préciser si vous voulez ou non les voix japonaises. Sinon, je peux remettre les voix anglaises, ça me dérange pas. Mais oui, mais ce sont des choses qui arrivent. Hein. C'est ma foi vraie. Non, non, on a besoin d'eux, hein. On va pas s'en sortir à deux. Non, c'est Edea qui est fort, pas lui. Lui, ここでお別れだと。それでも一緒に行くったら行くの。黒。
Eh oh, tu vas te calmer, oui? Si c'est demandé si gentiment, enfin, puisque c'est demandé si gentiment. Arrête avec ton journal. C'est que maintenant que tu le remarques, Edea. Allez, c'est parti. Ouais. Pourquoi c'est elle Non. Non, c'est pas tactique, c'est Attends, comment je peux faire pour échanger? Organiser, voilà. Huit. Hop, hop. Agnès Ringabel et Déa. Voilà. Merci. J'ai 84 d'argent. Je vais garder mon argent dans les magies. Je vais d'abord sauvegarder. Ça sera fait. Alors, prochain arrêt, la villa. Il va falloir d'abord traverser le donjon de Saint-Tro. D'accord, eh ben c'est parti. Allons-y. Alors non, pour l'instant, je vais pas... Ah merde, qu'est-ce que c'est? Coup spécial, engranger de la puissance au fil du temps, puis libérer là. Un coup dévastateur, d'accord. Utiliser des coups spéciaux, les conditions différentes sont et puis utiliser brave 10 fois, d'accord. Utiliser des objets 5 fois, etc. D'accord, surtout n'oubliez pas que changer. Remet le compteur à 0, d'accord. Aussi un coup spécial, la musique change. Ah, d'accord. Les petits groupes sont augmentés, il faut donc en profiter. Ah, d'accord. Enchaîner les coups spéciaux à la fin de la musique pour que tous les coups vont faire. D'accord. Ah, bah. Illustration, je suppose. Bon, essayons maintenant un coup spécial. Coupe et taille. Ah oui, quand même. Ah ouais, c'est calé, ça. C'est plutôt bien fait. Sous spécial dans le menu, vous pouvez personnaliser le nom, le message et les effets d'un coup spécial. Élaborez votre propre coup dévastateur pour lui montrer le... Ah d'accord, à vos amis assistants. Obtenir un nouveau coup et élément. Au fur et à mesure de la reconstruction de Honorande, vous pourrez obtenir de nouveaux coups éléments. Mais comment reconstruire le visage? Appuyez. Village, punaise. Appuyez sur droite, sur la manette. Ouais. Touchez carte. Ok. Ah oui, en effet. Oula, ouais, j'ai plein de trucs. Voyons le village vite fait. Construction achevée. Ah ouais, c'est vrai que j'avais lancé les constructions. Construisez une boutique d'objets. Mur et bâtiment, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ça c'est quoi, ça? Vieux rocher. Déplacer le rocher, 10 heures. Marchant. 15 minutes. Je valide. Vu que j'ai qu'un ouvrier. Ouais, je peux les faire up et tout, d'accord. Bah, c'est vachement bien fait. Il y a plein de trucs à faire, bon. D'accord.
Ça, c'est les quêtes. Ah non, c'est juste le journal, d'accord. Une autre. C'est vachement complet. Description des classes, LED. C'est ça les quêtes, je crois. Voilà. Il y a plein de quêtes après. Bon, j'essaierai de les faire après. Alors, allons-y. Donc déjà, discussion. On dirait que l'aubergiste t'a donné quelque chose, Edea. Ça te dérangerait de nous dire ce que c'est? Ah oui, je n'en suis pas sûr, en fait, je vais l'ouvrir. Oh, il nous a préparé des victuailles, le panier est plein à craquer. Ça alors, il y en a assez pour nous tous. On dirait des sandwichs à la truite impériale, ce qui se fait de mieux à Caldis, là. Il nous a gâtés. Il en a fait un autre exprès pour toi, Agnès. Il y a un petit mot pour la jeune fille qui ne mange ni viande ni poisson. Des bourgeons de feuilles grillées, des champignons de printemps et de la gelée d'abricot en dessert. Qu'est-ce qu'il t'a réservé, Edea? On dirait que j'ai eu la même chose que toi et le même dessert qu'Agnès et... Et d'accord. Super. Elle est bien, votre vie. Bon. Il va falloir retraverser le donjon, alors. Nouveau départ pour Norende. Les travaux de reconstruction de Norende ont enfin commencé. Je sais bien que tout ne sera pas rebâti en un jour. Mais c'est un début. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir me semble radieux. Mais reconstruire un village entier à partir de rien, c'est une entreprise colossale! Tu t'engages dans une tâche qui sera extrêmement longue, Tiz. Elle a raison, ça ne sera pas facile, c'est sûr. Et puis, rien ne garantit que tu y arriveras au bout du compte. Tu vas peut-être devoir déployer des efforts incroyables en vain. Ne dis pas ce genre de choses, s'il te plaît. Je manque déjà suffisamment de confiance en moi-même. En moi, pardon. Heureusement que j'ai la foi, j'imagine. Ou en tout cas, la certitude que je dois le faire. Il faut que ce soit moi. C'est bien assez, Tiz. Ta quête pour faire revivre Norende n'est pas différente de celle que nous avons entreprise pour refermer le gouffre. Rien ne garantit que nous y parviendrons, et peut-être traverserons-nous toutes ces épreuves en vain. Mais nous devons tout de même continuer et croire en ce que nous faisons. Tu as raison. Bien, allons-y, donc il faut passer par là. Et j'ai... classe. Elle, je peux la mettre soit moine, soit mage blanc. Mage noir, non. J'ai pas besoin. Non, bon. On va rester freelance. C'est pas des classes qui m'intéressent pour l'instant. Non. La traîtresse. Edea, tu nous as dit que tu nous aurais un accès privilégié, mais tu es sûr de ton coup? Il ne risque pas de savoir que tu es passé à l'ennemi? Je ne pense pas qu'on doive déjà s'en faire pour ça. S'ils en avaient entendu parler, l'accès à la ville grouillerait de garde. C'est comme ça qu'Enken fonctionne. Il est méthodique et sans pitié. Je vois, alors qu'est-ce qu'on fera une fois qu'on aura atteint la villa? Quelqu'un a une idée? Si l'homme qui tient la place est aussi prudent qu'elle le dit, on peut s'attendre à... Je n'en ai peut-être pas l'air, mais je ne suis pas n'importe qui, vous savez. Je peux convaincre quelques sentinelles de nous laisser passer sans problème. Ah oui, tu n'es pas n'importe qui. Mon petit doigt me dit que tu nous fais des cachotteries, ça t'ennuierait de nous donner des détails? Eh bien, vous savez, disons que j'ai ma façon à moi de convaincre.
Pourquoi? Tu deviens une terreur quand tu es folle de rage. Tu fonces à l'aveuglette ou alors tu fais fi de l'autorité? Non mais oh hé! Tu ne crois pas que tu es un peu dur avec moi là, Ringabel? Mais si tu veux tout savoir, les trois à la fois. Aïe aïe aïe. Tiens, une plage. Je vais me faire aggro. Voilà, c'était sûr. Donc, nouveau monstre, je suppose. Oui. Ah non, pas tout à fait. Ah si, il y a un loup. Allez, tout sans défaut. Tu vas prendre cher, tu vas prendre cher. Magie noire, feu, tous. Magie noire, feu, tous. C'est parti. Ouïa. Cramé. Ah, c'est leur faiblesse. Cramé. Hé, tiens, tiens. Ils sont sensibles au feu. Mais c'est parfait, ça. Level up. Parfait. C'est bon, ça. Alors, on va faire un petit coup de magie, quoique... Ouais, non. Si on est arrêté à la ville, on va d'abord y aller. C'est quoi ce petit truc là-bas? J'ai bien envie de savoir ce que c'est. On peut pas? Non? Bon. Pam. Zut! Aïch! On va les massacrer! C'est parti! Bravo, bravo! Compétence, magie noire, feu! Tous! Feu! Merde. Oui, feu, tous! Compétence, magie bien blanche, soin, tous! Soin, tous! Baston! J'espère que j'aurais pas utilisé une queue de phénix. Merde, il s'est foutu en défaut. Au moins lui il est mort. Tu crames. Tu meurs. Level up. Level up. C'est bon ça. Si ouais. Là tu vas faire de la magie blanche. Non, blanche. Soin. Tous. Tous. Toi. Voilà. Il te reste combien en magie? Oh, c'est bon, t'as largement de quoi faire. Allez, allons-y. Waouh, le cratère. Waouh, c'est. Ouh, ce cratère! Ah ouais, quand même. Mais. Ok. Attaque brave d'un ennemi. Oh lol. Baston ou pas? Ouais, allez. Baston! Attends. Tu vas attaquer le chef. Tous en des bras. Magie noire, feu, tous. 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 Ah, il est sous silence, parfait. Vous cramez. Vous cramez. Et au revoir. J'ai bien fait d'acheter la magie brasier. Bon, par contre, je dépense mes points de magie très vite. Allez, entrez.
Ville de Lontano, ok. Excusez-moi. Ah, punaise. Je peux me soigner quelque part? Non. Là non. Bon, on va faire une discussion. Agnès, écoute, je n'ai pas. Essaye de comprendre, Agnès. Edea ne voulait pas te blesser. Il fallait qu'elle le dise. Oui, exactement. C'était juste un stratagème pour nous faire entrer. Ça a marché, non? Pourtant, je n'avais pas à être aussi. Je suis désolée. Non, ce n'est pas ça. Je ne suis pas en colère contre toi, Idéa. Mais la façon dont ils voient la Vestale et l'orthodoxie, cela m'effraie. Tu as dit des choses atroces et ils t'ont cru sans poser de questions. C'est donc ce qu'ils pensent de la Vestale. Mais que s'est-il passé dans le duché pour susciter une telle haine? Le duché d'Eternia était autrefois le siège de l'orthodoxie cristalline. Le cœur des gens peut-il donc changer de façon si radicale? Toujours est-il que je suis désolée, je n'avais pas à en dire autant. Tu en as assez dit, je t'en suis reconnaissante. Ne te mets pas martel en tête. Bon, il est temps de se concentrer sur la tâche qui nous attend. Absolument. Oui, il serait peut-être temps, oui. Par contre, je me serais bien reposé là. Dommage que je ne puisse pas le faire. Mes fiat. Est-ce que je m'en doutais? Tu vas garder ta magie, toi. Tu vas juste faire magie noire, feu, tous, juste ça. Aïe. Oui. Oh la vache! Quand même, quoi. Il rigole pas, là. Lui, il est muté, c'est parfait. Et en moins. Merde, j'ai plus de plumes. Merde. Et j'ai pas... Ouais, non. Ouais. Attends. Là, tu vas faire du brave. Hein. Faut les cramer. C'est parti. Aïe. Crame-les encore. Et d'un. Voilà. Damn it. Il va falloir que je retourne là-bas. Ah,
Ouais, super. Ah, je peux pas retourner en arrière? Ouais, c'est génial. Je suis où là? Moi si je peux retourner en arrière. Je vais retourner en arrière. Et je vais acheter du... des plumes de phénix là. Je vais être aggro. Je vais essayer de faire cette technique. Non, ça marche pas. What? C'est quoi ça? Lanterne foot spectre. Oulala. Bon allez, je tente. Je sais absolument pas ce que c'est. Compétence, feu, tous, feu, tous. Je crois que ça va servir à rien, mais je tente. Je suis sûr que ça va les soigner. Je le sens. Putain, ça en fait 10 quoi. Je suis dans la merde. Non, non, c'est bon, ça les crame quand même. Ok. Et heureusement que j'ai le feu. Heureusement que j'ai le feu quoi. Herbe à écho. Mais je m'en fous de la herbe à écho. Je veux une plume de phénix. Vite, 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 vite. Ah, elle a pris cher, elle a pris 3 coups là, Idea. Au moins, je me suis fait d'argent, donc je vais pouvoir acheter de quoi. Et la musique a changé, je viens de remarquer. Et donc, par rapport au cycle, j'ai l'impression jour-nuit, les monstres aussi changent. Ça, c'est intéressant. Restez. Oh, j'ai 294 en plus. Je vais pouvoir en acheter 2. C'est parfait. Je les aurais bien équipés aussi, mais... je le ferai la prochaine fois, ça. Oui, ici, c'est... Ouais, c'est là. Acheter. 2. Oui, merci. Voilà, ça, c'est fait. Bon, je vais sauvegarder et je vous retrouve tout de suite après devant la porte du donjon. Si c'est pas magnifique ce plan, ça c'est vachement bien fait, je trouve. Bon, allez, traite de bavardage, allons-y. Mais avant de quoi faire. Merde, il y a un coffre là-bas. Un coffre. Pas d'aggro? Je me disais aussi. Waouh! C'est quoi ce truc? Panthère et un Kaïtsit. Ouh, la panthère, il va falloir que je me méfie. Le Kaïtsit, bon. Logiquement, il devrait pas trop me faire mal. Holy shit! Elle est en forme, 2 coups critiques, bon, ça c'est fait. Un collier, ok. Je prends. Un éther, cool. C'est... Ça va m'être très utile. Blah.
Oula, il y a du monde. Est-ce que je fais du défaut ou je fais... Attaque, hein, ouais. L'enfoiré, putain, en plus je suis empoisonné. Aïe. Cramé. 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 Level up. Ouh, je me fais beaucoup d'argent, ça c'est bien. Par contre, ah ouais, mais j'ai pas envie que tu utilises toute ta magie. Donc ce que je vais faire, magie blanc, c'est l'homme. Hop là. Soin. Hop là. Voilà. Je sais pas ce qu'il y a là. Ah ok, par là. Donc oui, je vais aller vers le coffre. Flûte. Attaque brave d'un ennemi. Oh, bien sûr. Bon bah, go hein. Baston. Aïe. Allez, cramé, cramé, et cramé, au revoir, vraiment efficace, brasier. Ah, bandage, bien, et une potion, bien, c'est bien. Ce que je vais faire, c'est comp, technique. Divers. 20% d'un allié. Bah oui, mais... Coupé de taille. Ah d'accord, il y a message soutien, d'accord. Oui, ce que je voulais. Magie. Sérum. Soin. Voilà. Comme ça... J'économise les soins de mon mage. C'est le mieux à faire. Ok. Oula, il y a une grande salle. Il y a une grande salle. Défaut. Tu vas prendre cher, aïe. Ah ça va. Quoique. Au revoir. Ouh, elle va mieux, il va bientôt, Pringabel, bien. C'est bien, ils augmentent bien de niveau. Par contre, ce qui me fait chier, c'est que je prends cher. Ah oh, putain, j'ai que un antidote, merde. Non, c'est Rome. Soin tous. On s'en fout de Tease, de toute façon, sa magie, bon. Elle est pas efficace. Ok, donc là à droite il y a un coffre. Coffre. Une potion. Bleh.
Ok, un nouveau ennemi, je ne sais pas ce que c'est. Il va l'attaquer. Hop, 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 Ah bah il est mort. Putain, j'ai même pas eu besoin de magie, ça c'est bien ça. Level up. Level up. Level up. Ouf. Ce level up, je me fais maître des sceptres. Ouh, je vais regarder ça. Compétence. Non, c'est dans... Non, c'est pas dans équipé, c'est dans classe. Merci. Octroie un S à l'aptitude arme des sceptres. Oh, c'est craqué. Mais c'est bon, ça. Permet l'utilisation de la magie blanche de niveau de bouclier, barrière et air. Alors, il n'est pas possible mais... sans poser les barres chemin correspondants. Flûte. Mais ok, je savais pas que j'avais utilisé ça. Ok. Bien, bah, c'est bon ça. Défaut. Yeah. Allez. Ah, il est chiant avec sa flèche toxique. Hein. Il est vraiment chiant avec sa flèche. Bon. On va commencer à changer un peu. Ah ah, un coffre. Oh, 400 PG. Ouh, ça c'est bon ça. Je vais pouvoir acheter une autre armure, ça c'est bon ça. Ça c'est bon, ça c'est excellent même. Ça va chier, ça va chier. Tiens le loup, le loup, le loup, tu vas prendre cher. Tu vas prendre cher, tu vas prendre cher. Allez, mutisme. C'est tout. Et non. Oula, qu'est-ce que je fais? Bon bah au revoir hein. Oh là là, tout cet argent que je me fais. Et encore up. Mais c'est affolant le niveau que je me fais. Enfin, les niveaux que je me fais. C'est du délire. Attends. À gauche, je sens qu'il y a quelque chose. Ah, on peut descendre. D'accord. Attaque brave d'un allié. Ah, merci. Palapada. Ah
Tease, please. Tease. Merci. Oula, j'ai oublié que Ringabel, il est en danger là. Ouh, 179. Craqué. Ouais, il faut que je le soigne. On va descendre. Ah, une lance. Oh, oh, oh. Alors attends. Tu as déjà une lance, toi. Toi non. Toi. Est-ce que c'est mieux que... Non. Et toi. Non. Attends. Sinon, je peux l'équiper. Ouais, mais ça fait tout en bas, ça fait moins de droite. Ça fait 15... Bon, ce serait pas intéressant, je pense. Toi, si tu t'équipes d'une double lance, ça fait quoi? Oula. Ça fait que tu passes à 18... Ouais, mais tu passes à 28 de def, donc ça me fait chier. Et on esquive, t'as 0. 18 main droite, 18 moins gauche. Non, on va rester comme ça. Ah! Attaque brève d'un ennemi. Oh, bien sûr! Non, pas la panthère. Le Kate. D'ailleurs, ils ont repris le Kate Sith, enfin le nom du dans les Final Fantasy. C'était d'ailleurs un des personnages, il s'appelait Kate Sith dans Final Fantasy 7, si je dis pas de bêtises. C'est d'ailleurs un personnage assez spécial. Voilà. Allez, tue-le. Tue-le. Bien. Ah, tu m'étonnes qu'il esquive. Crame. Ah, ça pique, hein. Ah, ça pique. Je comprends que ça pique. Mais oui, mais non, il faut aller par là. Il est chiant de m'empoisonner tout le temps. Aïe. Au revoir. Oh. Sceptre divinatoire. Je vais regarder de suite ce que c'est. Classe. Alors, 3, 7 divinatoires. Affiche sur la carte le nombre de coffres. Ah oui, bon. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Magie. Non. Oui, voilà. Soin-là, pardon. Non, soin-là et soin-le. Une gabelle, c'est pas une femme. Je suis où là? Ah oui, d'accord. Ouf, fallait voir. Entrée. Putain, encore une partie du donjon là. Un coffre? Ouais, je m'en doutais.
cape blanche. C'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour toi. Enfin, c'est moins bon, je veux dire. C'est moins bon aussi. Et toi, ça fait quoi? Belle cape légère qui annule le mutisme. Ah ouais, bah je prends, ouais. C'est un peu plus utile. Oh. Lâchez-moi! Attaque brave d'un allié, merci. Je vais être à court de magie avec Agnès, ça va pas tarder. Prends cher lui. Bon, en un coup, il est mort. Au revoir. Une potion. Ouais, j'aurais préféré un éther, mais bon. Un coffre. Ah, intéressant, une plume de phénix. Là-bas. Oula, il y a du monde là. Non, pas tous. La panthère surtout. La panthère, la panthère, la panthère, la panthère. Au revoir. Au revoir. C'est vraiment abusé tout le XP que je me fais, quoi. Là, il n'y a rien. Là, il y a... Oh! Verrouillé! Oh! Quoi? Merde! Il me faut une clé. Il me faut la clé! Ah! Vous pouvez pas me lâcher deux secondes, là? Non, mais s'il vous plaît, quoi. Please. Tous. Tous. Non, tous! Tous. Tous. Pff, 26. J'espère qu'il y a un point de sauvegarde. Oh oui, il y a une sauvegarde. Ouf. Ça tombe très bien. Tu tombes bien. Ou je vais acheter de l'équipement aussi. Ouah, je vais m'en mettre par les fouilles. 2, 3, 4. Non, mais je peux en fait que 2. Eh ben non, 3. 3 parce que chacun est rambé. Non, mais elle, je m'en fiche. Oui. Qu'est-ce que tu me proposes d'autre? C'est tout? Non, rien d'autre. Équipé armure de bronze. Armure de bronze. Attends. Armure de bronze. Et puis voilà. Et elle, elle va rester avec... Non, pas une armure de bronze, surtout pas. Euh...
quoique... Ouais, mais ça lui fait un rang E, c'est ça qui me fait chier. Non, elle va rester avec son armure de lin, c'est très bien. Armure de cuir, non, toi tu prends une armure de bronze, s'il te plaît, voilà. Parce que E, c'est du rang B, donc c'est beaucoup plus efficace. Elle, elle a rang E, ce qui est normal. Parce que tu vas pas voir un mage se trimballer avec une armure de cuir. Ou une armure de bronze, ou une armure d'argent, c'est pareil. Une armure de lin, oui. Ce qui est normal, ou une armure elfique, voilà, au pire des cas. Mais pas une armure de cuir. Ok, donc là je suis en optimum, c'est bon. Ouais, ouais. Toi c'est normal, ouais. Ouais, c'est bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais sauvegarder. Hop. Je vais juste vérifier. Ah, cool, ça a été terminé ma construction. Potion pierre de renvoi. Ouais. Ça, c'est bien, ça. Ok, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Temps 2 heures. 10... Combien? 10 heures. Armure disponible, brigandine, ouais. Antidote collier. Ok. Et ça, c'est quoi? Marécage. Qu'est-ce que je peux faire? Hop. Eh ben, vas-y, hein. Go. Va bosser. Tu vas me péter ça. Voilà. Ok, donc là il y a un coffre. Ah ben oui, mais je peux pas le déverrouiller. Bon, je vais faire juste un combat. Et puis après on va s'arrêter là. Pour cet épisode. Ah ben voilà, parfait. Ouh, il y a du monde. Au revoir. Level up. Et un collier. Parfait. Bon. Eh ben, on va s'arrêter là pour ce 4e épisode. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. La prochaine fois, nous allons combattre les personnages que vous voyez juste ici. Voilà, mais merci la caméra. Voilà, que vous voyez juste ici. Ça sera pour le 5e épisode. En tout cas... n'hésitez pas à commenter, à aimer et à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures sur la chaîne KCG. Sur ce, portez-vous bien, bon week-end et à la prochaine. Ciao, ciao.